Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Lionel Saint-Félix 509. Cette vidéo est assez triste parce que nous allons faire une comparaison entre Haïti et la République dominicaine, ou du moins entre les infrastructures de Haïti et de la République dominicaine. À l'heure actuelle, Haïti possède 768 km de routes asphaltées et bétonnées, tandis que la République dominicaine possède 9 872 km de routes bétonnées et asphaltées. La République d'Haïti possède 4 ports marchands, tandis que la République dominicaine possède 37. En ce qui a trait aux infrastructures aéroportuaires, la République d'Haïti se place aux 149e position, tandis que la République dominicaine se place aux 109e position. En ce qui a trait aux infrastructures hydrauliques, 30% de la population haïtienne n'a pas accès à l'eau potable, tandis que 75% de la population dominicaine a accès à l'eau potable. En ce qui a trait aux infrastructures électriques, Haïti a une installation qui produit 375 MW. La République dominicaine a une installation qui produit 3635 MW. % de la population haïtienne est illettrée, ou seulement 6,2% de la population dominicaine. Pour 1000 habitants, on trouve 0,7 lits en Haïti. Pour 1000 habitants, on trouve 1,6 lits en République dominicaine. Quelques indicateurs socio-économiques. La population haïtienne s'élève à 11,2 millions d'habitants, tandis que la population dominicaine s'élève à 10,6 millions d'habitants. Le PIB de Haïti est de 9,6 milliards de dollars américains. Le PIB de la République dominicaine est de 85,6 milliards de dollars américains. Le revenu par habitant de Haïti est de 868 dollars américains. Le revenu par habitant de la République dominicaine est de 8 050 dollars américains. 78% de la population haïtienne vit avec moins de 2 dollars par jour. 19,9% de la population dominicaine vit avec moins de 2 dollars par jour. Haïti se positionne au 168e place parmi les 180 pays en termes de corruption. La République dominicaine se positionne en 137e place. Quelle est ta responsabilité dans la situation actuelle du pays? Vas-tu devenir un héros pour sortir la première République noire du monde dans cette situation? Où est passé ton patriotisme? Il faut élire de vrais dirigeants aux élections. Des dirigeants capables de réveiller la conscience patriotique en nous pour nous donner la force de travailler pour un pays fort économiquement et socialement juste.
C'était avec vous Lionel Saint-Félix pour Lionel Saint-Félix 509. Ciao, ciao. À bientôt pour une nouvelle vidéo.